On lâche les fauves! Louis Lavie et sa bande de joyeux lurons entrent en fusion sur VL. Le meilleur de l'humour et de l'actu insolite, c'est dans le grand n'importe quoi, tous les jeudis de 21h à 23h. D-A-B-E-O. C'est quoi? C'est le D-A-B-O-E-D-O. Bonsoir mon Dabo! Excusez-moi, mais on charrie sur mes jingles, mais celui-là il est toujours là! Oh le gars, tu l'as! Bonsoir Dabo! Bon boule Louis, bon boule à tous. Est-ce que vous saviez que Dieu a créé la Terre en 7 jours, dont 6 pour concevoir VL? Oui, 6 jours, même avec le nouveau studio. Bah ouais, c'était pas des bénévoles les mecs, hein. Et puis le 7ème jour, il s'est dit, foutez-moi le bordel. Et il a créé le grand n'importe quoi. Bon, et il a pété un écran télé dans l'excitation. Mais le bijou principal, la 8ème merveille du monde, le LGNQ, était né. Les amis, c'est déjà la 100ème de l'émission ce soir, et ce n'est pas une petite performance, non, beaucoup ont tenté d'atteindre ce cap de la 100ème sans y parvenir, Guy Georges, Émile Louis, et tant d'autres, non, faut être talentueux pour arriver jusque là. Est-ce qu'il faut bien s'entendre avec le boss de la radio pour arriver jusque là? Peut-être. Je sais pas, peut-être. Est-ce que la présence du directeur d'antenne dans l'émission peut favoriser la continuité de l'émission? C'est possible, on ne sait pas finalement. Le LGNQ, l'émission de VL qui reçoit les humoristes et qui pour sa 100ème invite Maxime Guény, un humoriste. Oui, c'est un scoop, je l'annonce à la place de Maxime. Maxime va bientôt faire son one-man show, ce sera au Casino de Paris, hein, avec la première ce dimanche soir. Voilà, donc ça c'est fait, maintenant Maxime il se démerde, il a 2 jours pour écrire un spectacle. Je peux l'aider, hein. J'ai déjà le titre du spectacle, il me dira ce qu'il en pense. Un éclair de Guény. Ah, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal, hein. Oui, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais revenons un peu aux sources minérales du Dabo Hebdo, l'actualité avec un homme dans la tourmente, Jean Lassalle, accusé d'harcèlement sexuel. Au-delà de ses possibles actes, de ses accusations, bien évidemment condamnables, et je suis très sérieux en disant ces propos, est-ce que ça l'est une fille? Est-ce que ça la rend plus goûtue? Je ne sais pas. Avec une femme, Jean a lui fait son choix. Jean Lassalle, bon appétit. Jul également dans la tourmente, hein, le rappeur qui a été mis en garde à vue pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Il a réagi sur son Facebook. Désolé ma team pour ce qu'il s'est passé. Je sais qu'il y a des enfants et des parents qui me suivent. C'est pas une bonne image pour tout le monde. Donc voilà, je tenais à m'excuser. Hashtag, j'apprends mes erreurs. La morale de cette histoire, c'est que les fautes d'orthographe ont un avantage, elles ne s'entendent pas à la lecture. Et en fait, le signe Joule dans sa tête, ça veut pas dire Joule, mais Love, L-O-V-E. Ouais. Et puis, Actu People également, avec Philippe Candeloro qui a expliqué avoir fait Danse avec les Stars pour, je cite, le pognon. Moi qui pensais qu'ils y allaient tous pour l'amour de la danse, terrible désillusion. Et dans l'actu cette semaine, pour finir, à Toulouse, des parents qui ont décidé d'appeler leur enfant Djihad. La mairie a décidé de saisir la justice. Le prénom choisi serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Alors vous allez me dire, oui, mais faut pas tout associer au terrorisme. Effectivement, Djihad, ça veut dire abnégation à la base. Non, ce qui est problématique avec Djihad, finalement, c'est que ça sonne terriblement beauf. Hein. C'est du terrorisme verbal. Hein. Ils auraient pu choisir un autre prénom. Hein. Ils auraient pu l'appeler Allahu Akbar, par exemple. Hein. À l'écoute, c'est moins beauf. Tu vois, ça fait plus qu'à taux coincé du 16e. Hein, on est d'accord. Mais c'est toujours touchant de voir des parents qui, en quelques lettres, pourrissent l'existence de leur enfant dès la naissance. Et c'est là que la vie est extraordinaire. C'est qu'elle permet la rencontre entre un teubé et une teubée en un lieu où il y a beaucoup de teubés, Paris-Plage par exemple. Et ensemble, ils vont faire plein de petits teubés qui vont grandir et se rencontrer et former une émission de radio qui s'appelle Le Grand N'importe quoi. Chers teubés autour de cette table, je vous aime. Moi aussi, nous aussi. Je vous aime. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.